Times Square. Allô, ouais, il y a plein de choses à dire. Allô, Salem. Allô, salam alaikum. Comme Salem. Salam. Je t'appelle pour un petit truc, en fait, juste pour avoir ton avis. Ouais. Est-ce que tu penses que les dessins animés font notre génération? Ouais, bien sûr. Mais Et font les évidemment, générations? Je vais te c'est donner un exemple. En évident. fait, on en parlait au taf ce matin avec des collègues et tout, tu vois. Ouais. Bon, moi, on a la quarantaine, t'as vu, Ouais. et on a des jeunes, tu vois, ils sont immatures, etc. Et on a fait le rapprochement avec les dessins animés, tu vois. Et on disait, nous, les dessins animés qu'on regardait, tu vois, quand on avait 5 ans, on nous mettait devant Rémi sans famille, les trucs comme ça, tu vois. Le gamin, il a été C'est. abandonné par ses Ouais. parents. Princesse Sarah, ils l'ont mis la misère, etc. Les chevaliers du Zodiaque, c'était des orphelins. Je sais que tu kiffes. C'était tous des orphelins qui ont été balancés aux quatre coins du monde. Tu as Et après, tu as eu raison. des. Et juste un truc, Mark Landers, dans Olive et Tom, il avait 10 ans, il jouait au foot, et il travaillait pour sa famille, pour sa mère et ses frères. Et en fait, je sais pas, tu sais, on dirait que ça nous a en fait rendu plus matures dès le départ, comparé aux générations qui après ont regardé les Pokémon et qui aujourd'hui sont sur de la en fait. C'est vrai, c'est Je sais vrai, pas si. c'est exactement ça. T'es un bon. Même si t'es un troll, la tête de ma mère, t'es un bon. Bon, là, je suis pas un T'es un troll, bon. frérot. Attends. Ouais, je suis pas un troll. Ça, c'est un débat. Ça, alors. Regarde, Frérot. dans tous les dessins animés, on a fait un truc, c'est-à-dire avec des collègues cet après-midi, dans tous les dessins animés, tu avais une problématique d'adulte. Tu vois, tu prends Tom Sawyer, c'est un Justement, gamin qui était abandonné. justement, problématique. Justement, frérot. J'aimerais rebondir dessus. Tu savais que les contes. Bah ouais. Tu savais que Chaperon Rouge, en vrai, le grand méchant loup, c'est un. Wallah, j'étais pas au courant. Ouais, je Le sais. petit poucet, c'est les gens qui abandonnent leur enfant. Ouais, mais Et. ça, c'était la génération avant nous. Nous, notre génération, parce qu'on a plus ou moins le même âge, on a vécu avec le club Dorothée, les trucs comme ça. Mais en fait, quand tu regardes les dessins animés qu'on avait, bah justement, ça nous a rendus matures dès le départ. Même si c'était des dessins Mathieu, animés qui Nicky n'avaient rien à voir. Larson, Nicky Larson, le collège foufoufou, l'autre ironie flait des culottes, Jeanne et Serge, t'as un Peggy. Peggy avec sa coupe violette quand Mais elle était sous la douche et tout. Jeanne et Serge, ça Ouais. tu. Jeanne et Ouais. Serge, l'entraîneur, Monsieur Diamond, qui fouettait, qui tapait Diamond, ouais. les joueurs. Ouais. Bah, aujourd'hui, tu peux plus faire des dessins animés comme ça. Impossible, Et en mais fait, t'as quand tous tu les regardes tribunaux après derrière. les générations qui suivent, tu regardes les dessins animés qu'ils ont regardés, en fait, tu te dis, tiens, c'est normal en fait que lui, il n'est pas mature à 18 ans. Parce que nous, à cette époque-là, tu sais, on avait à 5 ans, 6 ans, 7 ans. On savait ce que c'était qu'être abandonné, on savait ce que c'était que le travail, ce que c'était que la misère, parce que justement, dans tous les dessins animés qu'on regardait, il y avait des histoires comme ça. Même les Et il y filles, avait Princesse Tom Sarah, Sawyer. Candy. Et il y avait Tom Mais Sawyer. Tom Moi, Sawyer, j'ai. c'est un gamin qui. Ses parents, ils sont morts, Tom Sawyer, et il Justement, vivait chez sa moi, tante. j'ai une Et il image. vivait avec un Moi, j'ai une image clochard, de quand que on Griffin, était. qui vivait tout seul dans un arbre. Eh ben, nous, c'est quand on était petits, je te jure, on descendait et on se mettait les uns derrière les autres et on faisait Tom Sawyer. En fait, on allait. Wallah, écoute bien, je m'en rappelle. Moi, il y avait deux, trois petits arbres, une toute petite forêt. Quand je te dis une toute petite forêt, deux, trois petits arbres qui étaient à côté de chez moi. On allait là-bas l'après-midi et on essayait de survivre, comme Tom Sawyer. T'as raison, Ouais, je te jure on qu'on fait des faisait ça. cabanes et tout. On essayait, on faisait des cabanes. C'est vrai que maintenant, c'est chaud. Il y a quoi comme dessin animé maintenant? Il n'y a plus rien. Franchement, je ne sais même plus ce qu'il y a. Mais tu regardes la génération qui est après nous. Il y a eu les Pokémon et les dessins animés bidons. Là, maintenant, franchement, tu regardes. Mais même les histoires. Il y a eu les Titeufs, etc. Gamin. Cédric, C'était Titeuf, n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Ouais, pas de Nadia hashtag dans entendu toute Titeuf, la c'est journée. la première crasse de la télé. Bah Nadia dans ouais, mais en Titeuf, fait, c'est mais la première. partir de là. C'est la première beurette. Elle a trompé Titeuf avec Timmy. C'est la première bebeu. C'est elle. C'est après, il y a eu Ouais. Kenza du Loft. Mais avant, c'était elle. Nadia dans Titeuf. Ouais. Ouais. Donc. Et en fait, on a eu ce débat-là, au boulot, et on s'est dit, mais en fait, c'est nous quand les dessins animés qu'on regarde, en fait, on nous a rendus adultes à l'âge de 5 ans. On Ouais. regardait, ma mère, elle me mettait devant Rémi sans famille à la sortie de l'école. Le gamin, il faisait la manche et il mendiait miskine, il était vendu à un clochard Vitalis. Et ben, voilà, moi des fois, je plane et je tombe sur des dessins animés et il y a des dessins animés d'aujourd'hui que j'aime bien. Par exemple, il y a des dessins animés qui me font, pas qui me font rire, mais j'aime bien l'humour. C'est plus le même humour qu'on avait. Nous, avant, Oui, c'est vrai que c'est un humour petit mais en enfant. fait, y a...
Mais là, Ouais, mais en maintenant, c'est fait. un humour adulte dans des dessins animés. Si t'en regardes un, moi, il y en a un, il me fait rire. Sanjay et Craig. Un hindou avec un serpent. Ils ont un humour mort de rire, Sanjay et Craig. Il s'appelle comment, Ouais, le mais tu l'as mec rose? publiquement, il n'y a pas Il de. s'appelait, ben, Ekno? Un mec qui s'appelle Ethno, ou Ethno. Il est Ouais. violet, Non, mais il veut ouais. retourner dans sa planète. Voilà. Mais ce que C'est. je veux te dire, c'est qu'à l'époque, en fait, c'est de l'abrutissement. À l'époque, c'était responsabilisant. Il y Ouais, avait c'est toujours une vrai. part de responsabilisation dans les dessins animés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je sais Wallah, pas si c'est tu vois ce vrai. que je veux dire. Toi qui regardais les C'est vrai. Chevaliers du Zodiaque, c'était des orphelins. Ils avaient, tu vois, Mais moi, je moi, regardais j'ai Chevaliers du appris la Zodiaque. mais L'autre, il moi, j'ai défendait appris son la frère, l'autre, il mythologie. défendait sa sœur, l'autre ici, l'autre ça, tu vois. Moi, j'ai appris la mythologie grâce au Chevalier du Zodiaque. Mais Je te pareil. jure que c'est vrai. Je l'ai appris comme ça. Mais Ah pas ouais, que la non, c'est super mythologie, même la intéressant. science, le zéro absolu, les trucs comme Le ça, zéro les. absolu. Je savais pas ce que c'était. C'est moins Voilà, moins 186 degrés. 273 Ouais, degrés, et c'est Camus. les atomes, C'est ils Camus, c'est explosent. lui qui nous a appris. C'est Camus. Mais frérot, regarde le dessin animé, la vie, les explorateurs. Ben oui, C'est la vie, c'est ça. magnifique. Les Les globules blancs, les globules explorateurs, rouges, ben tu savais ce que c'était. l'homme, voilà, l'homme, il t'explique comment il vivait à l'époque en dessin animé. Il y avait même un Voilà, dessin c'est. animé, il y avait même un dessin animé qui était excellent. Tu te rappelles pas de ce dessin animé? Au C'est quoi? début, c'était une ligne de stylo. Elle dessinait des arbres et il y avait des hommes qui étaient tués. Ah ouais, si, Te ouais, je me rappelles pas rappelle, de ce ça y petit est, dessin c'est fini. animé là? Un Si, dessin si, animé si, si. méchant bizarre. C'était un stylo, il s'appelle comment? Ah, je Alinéa! sais pas. Alinéa! Alinéa! Ouais, c'est Te ça. rappelles pas? Il se battait pour un Si, si, arbre. ça me dit l'image. Si, ça me dit l'image. Après, j'ai peut-être pas. Voilà les dessins animés Voilà. d'avant. Ah, c'était excellent. Maintenant, je La sais pas ce qu'ils 5 et regardent. tout. J'en parlais il y a 2 jours. Les Totally Spies. L'autre, rien qu'à son nom, c'est un nom. Elle s'appelle Glover. Tu sais qu'elle tapine. Cette fille dans le dessin animé, tout l'épisode, elle est censée tuer des méchants, elle bande sur eux. Elle est mouillée tout Sérieux? le temps. Ah ah! Et les petites, elles regardent ça. Je t'ai dit un jour, je vais acheter un truc pour mon fils, je tombe sur des brats, des poupées qui font le tapin. Elle a failli me répondre 20 euros la pipe, 40 euros la mou. Elle a failli me répondre ça quand j'ai appuyé dessus. C'est chaud. C'est chaud. Bah Wallah, c'est chaud. C'est. Ouais, Glover, je la déteste, celle-là, cette. Il y avait le bus magique aussi à l'époque. Ah, non, c'était. Moi, j'ai arrêté de regarder les dessins animés fin des années 90. Au ouais, Minicum. Je me suis arrêté de regarder au bah ouais, Minicum. c'est ouais, pareil, Je me pareil, suis c'est arrêté ça. là. Je me suis arrêté là. Pareil, Moi, je suis de après c'était plus le l'ancienne ballon et les génération. films et les Stallone et tout, etc. Bon, Ouais, après. voilà. Moi, je me suis arrêté là. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les dessins Mais animés en fait, rendent dès le plus. début, quand on est gamin, c'est-à-dire en fait ceux qui ont eu, ouais, ceux qui ont grandi dans les années 80, jusque dans les années 90, les dessins animés, ils étaient responsabilisants. C'est-à-dire que tu avais C'est toujours vrai, une c'est part vrai. de vie, de réel, de problématiques, d'adultes et tout. C'est-à-dire qu'avant l'âge de 10 ans, déjà, on nous mettait dans les embrouilles de la vraie vie, t'as vu? C'est vrai, c'est vrai. Ce que tu dis, franchement, c'est une excellente remarque. Franchement, moi, j'en parlais un petit peu par rapport aux jouets et aux dessins animés. Moi, je suis choqué des dessins animés aujourd'hui et Ben ouais, c'est ça, mais qu'est-ce que tu veux? on est loin de Regarde. ces. On est loin, oui, excuse-moi, on est loin de cette époque d'insouciance. Écoute. Les Hasra. Cette époque d'insouciance. Tu te rappelles pas? Petit automobile. Tu Voilà, parais tu si vois. fragile, Agile. utile. Voilà. C'est un monde de Tu cherchais pas gâteaux. appel? Voilà, attends. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais à l'époque, on cherchait pas à nous détourner ou à nous faire rentrer Ouais. des idées politiques ou des Ouais. idées nouvelles dans la tête comparées à aujourd'hui. Maintenant, je les regarde pas les dessins animés, mais dans quel état ils sont? Je me demande s'il y a des Ouais, dessins mais animés encore. les générations qui regardent les dessins animés de maintenant, ça va être encore pire. C'est ça en fait le truc, c'est qu'en fait, moi j'ai 42 ans, tu vois, Ouais. Ah bon, on est de la même et avec les génération. On est. autres potes, etc. On s'est dit. Les mecs, ils sont complètement immatures à 25 ans. Et après, on regarde, on réfléchit, on dit, ouais, mais ils ont grandi comment? Et nous, on Comment a ils en grandi sont comment? arrivés là? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est tout. Quand j'écoute ça, j'ai envie de pleurer. Wallah, j'ai. Quand j'écoute ça, j'ai envie de pleurer. Dans l'équipe, il y a maintenant une jeune fille Une qui a fille qui du a du punch. punch! Elle sait jouer Putain! avec talent et son
cœur bondissant. Mais elle, Jeanne, elle était. Elle était srouna, Jeanne. Elle aimait trop Serge. C'était merveilleux, ces musiques. T'as vu, en fait, dans tous les dessins animés, t'avais une grosse problématique, en fait. C'est Karima et Serge, maintenant. Voilà. Quoi? C'est Karima et Serge, maintenant. C'est fini. On est dans la... Maintenant, on verra ce que ça donne. Moi, les dessins animés, je les regarde pas. Des fois, je tombe dessus, je plane un peu. J'essaye de regarder comment ils ont évolué, quand même. Il y a Bob l'éponge que j'aime bien, tu vois. Parce qu'il est Nia. Moi, je l'aime bien, Bob. Il est Nia. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais par contre, j'ai été étonné de Dora. Tu sais, c'est devenu... Rien. Elle l'a fait avec Diego. Elle a grandi. Hein. Elle s'est affinée. BBL, croc-top, c'est une bebe. Wallah. Alors qu'à l'époque, je la voyais, elle apprenait nos enfants à parler en anglais. Give me the right. Maintenant, elle parle en anglais. Dora, là, c'est devenu une... Elle a changé, Dora. Avec Diego. Ça hâte, là. Bon, frère, ce fut très intéressant. Merci beaucoup pour ton passage. Non, t'es un bon. Salam, frère. T'es un bon.